session to begin. Baby, I wanna hear thunder in paradise. It's a thunder in paradise. Thunder, when there's thunder in paradise. Yeah, nothing can Le satellite vient de toucher l'atmosphère. Estimation de la nouvelle trajectoire après déviation. Il faut qu'il tombe en territoire ami, débrouille-toi. J'ai pas envie d'aller le repêcher dans le golfe de Sidra. Je suis désolé mon vieux, on ne peut pas lutter contre la nature. Elle a choisi Sidra. Alors il vaudrait mieux se dépêcher. Compte à rebours pour puissance maximale. Je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Le télémètre nous signale que notre satellite est entré dans l'atmosphère. On le sait déjà, commandant. Le satellite vient d'amerrir, nous avons repéré la position de la boîte noire. Félicitations, messieurs. Cependant, je vous rappelle qu'en cas de problème, nous sommes dans l'incapacité d'intervenir. Bonne chance et soyez prudents. Vous faites pas de bile, commandant. On connaît notre boulot sur le bout des doigts. Liaison terminée. Signal de guidage. 1,67. Verrouillage de fréquence. Confirmé et activé. Fais gaffe aux poissons. Fermeture des portes, pressurisation enclenchée, SAS rempli. Sortie autorisée, plongeur hors du SAS. Continue, Spence, plus sur ta droite, tu ne devrais pas tarder à le voir. Alerte, engin ennemi approchant au nord-ouest du couloir aérien. Spence, on a de la compagnie, je te conseille de ne pas traîner, je vais les retenir au niveau de la passe. Se rapproche de Thunder, détection matérielle de combat. Satellite localisé à 90 mètres de profondeur, accrochage du ballon stabilisateur. Et là, attention.
attention les gars, vous allez égratigner mon bateau et ça j'ai horreur de ça. On voit bien que c'est pas vous qui payez les réparations, je vais vous apprendre à respecter le matériel qui vous appartient pas, vous n'allez pas être déçus du voyage. Trajectoire menacive enregistrée, canon laser chargé. J'espère que vous savez nager. Des commandes, engin ennemi détourné de sa route. Retour plongeur, décompression terminée. Trop tard, t'as raté le meilleur. Accroche-toi, on se tire d'ici. Londres, Angleterre. Pardonnez-moi, tante Flavia, mais je ne fais que réclamer ce qui me revient de droit.
Le satellite vient de toucher l'atmosphère. Estimation de la nouvelle trajectoire après déviation. Il faut qu'il tombe en territoire ami, débrouille-toi. J'ai pas envie d'aller le repêcher dans le golfe de Sidra. Je suis désolé, mon vieux, on ne peut pas lutter contre la nature. Elle a choisi Sidra. Alors il vaudrait mieux se dépêcher. Compte à rebours pour puissance maximale. Je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti! Le télémètre nous signale que notre satellite est entré dans l'atmosphère. On le sait déjà, commandant. Le satellite vient d'amerrir, nous avons repéré la position de la boîte noire. Félicitations, messieurs. Cependant, je vous rappelle qu'en cas de problème, nous sommes dans l'incapacité d'intervenir. Bonne chance et soyez prudents. Vous faites pas de bile, commandant. On connaît notre boulot sur le bout des doigts. Liaison terminée. Signal de guidage. 1,67. Tu vas voir. Voilà. Ah. La suite. Si, voilà, monsieur, j'arrive. Oh, ça brûle. Voilà. Et maintenant, voici venir le moment de découvrir les festins. Une abondance de mets raffinés. C'est des délices inégalés. Toc, toc. Qui est là? Ah, j'ose espérer, messieurs, que je vous dérange. Oh, non, pas lui. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Le dîner. Oh, appétissant. Qu'est-ce qu'il vient faire là? J'en sais rien, mais sa bonne humeur ne me dit rien qui vaille. Entrez, mon cher, entrez. C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous présente ce soir notre illustre invité, Bryden Trubshaw, le jeune comte de Pertain. Voici Monsieur Brubaker, Monsieur Spencer, et cette demoiselle, c'est Jessica. Bonsoir. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est la fête des pères ce soir. La fête des pères, ça alors, ça tombe bien. Je venais justement vous annoncer que Bryden Trubshaw, ici présent, est le père de Jessica. Je sais que c'est difficile à croire, Spencer, mais c'est bien son père. Il a des documents qui l'attestent. Il m'a même montré son contrat de mariage. Et en effet, lui et Meghan étaient mariés au moment où Jessica a été conçue. Ils n'ont aucune ressemblance. Ça vous paraît pas bizarre? Écoutez, il n'est pas venu dans le but de reprendre son enfant. Il veut seulement passer un peu de temps avec elle. Mais justement, c'est ce qu'il fait en ce moment. Alors, de quoi il se plaint? Ce n'est pas assez à son goût. Il souhaiterait qu'elle l'accompagne en Angleterre. Mais rassurez-vous, elle ne partirait pas longtemps. Ça, il en est pas question. Il aimerait la présenter à sa grand-tante Flavia. C'est quelqu'un de très respectable, vous savez. Elle habite un château sur la côte de Cornouailles. Les châteaux sont toujours mal chauffés et Jess risque d'avoir un rhume de cerveau. Elle en a déjà eu. Oui, mais en Angleterre, c'est pas pareil. Spence, je viens d'avoir le commandant Tacri. Il veut qu'on reparte. Qu'on reparte où? Dans le golfe de Sidra pour récupérer une pièce. Il y avait une interface numérique attachée à la boîte noire. Elle a dû être arrachée juste avant l'impact. Il aurait été impossible d'étudier les photographies sans l'interface. Ne vous inquiétez pas, Jessica ne partira que quelques jours. C'est le moment idéal. Vous et Brou devez reprendre votre mission de toute manière. Je n'ai aucune envie de laisser Jessica s'en aller là-bas en compagnie de Lord Machin un chouette. Si elle va en Angleterre, j'y vais aussi. C'est parfait. Je suis sûr que cette solution conviendra à tout le monde. À tout le monde sauf à moi, mon cher. Je sais très bien que tu essayes de régler cette histoire de voyage en Angleterre, mais il y a une chose plus grave encore. Ce satellite renferme les seules preuves tangibles que la Libye a bien déployé des missiles à moyenne portée. Spencer, je crois que j'ai une bonne idée. Que diriez-vous si j'accompagnais Jessica? Moi, ça me paraît bien. Edward sera un peu comme son chaperon. Il aura pour mission de s'occuper d'elle, de veiller à ce que tout se passe bien. Et surtout, faites attention qu'elle ne touche pas à cette saleté de pudding. Blah! C'est hors de question inutile de revenir là-dessus, d'accord? J'ai peut-être une idée, moi. Il pourra emporter une petite valise dans laquelle il mettrait des appareils de communication. Vous pourriez rester en contact 24 heures sur 24.
D'accord, mais vous me donnerez des nouvelles tous les jours. Vous m'appelez matin, midi et soir. Vous avez ma promesse. Bien. Ma chérie, je suis désolée de ne pas t'avoir fait de cadeau, mais je ne savais pas quoi choisir. Moi, je sais. Je voudrais de plus grands yeux pour tout voir. Regardez là-haut, ces cheminées. Eh bien, quand j'étais plus jeune, je suivais mon père et j'allais nettoyer les cheminées avec lui. C'est vrai? Tu grimpais sur les toits? Oui. Comme Mary Poppins, alors? Exactement. Ah, j'aurais bien aimé savoir danser aussi bien qu'elle, mais je manquais de souplesse. On fait la course. Attendez. C'est lequel? Tout est prêt. C'est l'homme là-bas avec la valise et qui marche avec une canne. Tenez-vous prêt. Ne vous inquiétez pas. Je compte sur vous. Viens, chérie. On va s'acheter des glaces. Et Brydon, où allez-vous? Mais qu'est-ce que t'es? Mais lâchez ça! Donnez-moi ça! Lâchez ça, espèce de vieux schnapp! Vieux schnapp! Monsieur, rendez-moi immédiatement cette valise. S'il vous plaît. Merci bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, bonjour, vous arrivez à temps, monsieur l'agent. Ce malotru a tenté de subtiliser ma valise et mal lui en a pris. Je compte sur vous pour le remettre aux autorités. Bien sûr, monsieur. Allez, debout et suivez-moi. Et où sont-ils? Jessica! Jessica! Lord Trapshaw! Jessica! Jessica! Nous avons atteint les eaux du golfe de Sidra. Prudence recommandée. J'ai envie d'appeler Jessica avant de plonger. À qui as-tu téléphoné il y a à peine plus d'un quart d'heure? À Jessica. Tout allait très bien et elle s'amusait comme une folle. J'ai appelé il y a plus d'une vingtaine de minutes, figure-toi. 16, pour être exact. Recherche de l'interface par détection géologique virtuelle. Début de la recherche, secteur du golfe de Sidra, côte de Libye. Visualisation de la structure moléculaire de l'interface numérique. Je voudrais une représentation graphique tridimensionnelle du relief sous-marin en B8. Repérage d'une structure moléculaire voisine de l'interface. Agrandissement de l'emplacement au fond de l'océan. Superposition des données, interface localisée. C'est bon, merci. On l'a retrouvée, Spence. Elle est à une profondeur de 78 mètres. C'est une chance, elle s'est posée sur le rebord d'une corniche. Pour toi, ce sera un jeu d'enfant. J'ai oublié de lui donner ses bottes. S'il pleut, elle aura les pieds mouillés. Spence, si ses pieds sont mouillés, ils sécheront. Mais je suis inquiet, c'est plus fort que moi. Moi aussi, je m'inquiète, mais nous sommes en mission, alors concentre-toi, tu veux? On est dans les eaux de la Libye, et il faut absolument qu'on récupère la pièce avant qu'ils interviennent. Hey, Spence! Spence, va mettre ton micro en marche! Dans le sas, fermeture des portes. Approchant au nord-ouest du couloir aérien. Spence, ça va barder. Spence
Spence, allez, réponds-moi. On a de la compagnie. Détection d'armes à bord d'engin ennemi. Il y a des requins dans l'eau, Spence. Ils ont l'air d'avoir très faim. Est-ce que tu m'entends? Spence, est-ce que tu m'entends? Commande ordinateur, ici Brooklyn 327. Position de combat. Position de combat. Engin ennemi se rapproche. Capacité de feu immédiate. Sur la cible, feu! La cible s'éloigne. Restez en alerte. Réactivez la position de verrouillage. Ordinateur, enclenche la position d'autodéfense. Position d'autodéfense enclenchée. Plongeur dans le sas, fermeture des portes, début de compression, sas rempli. Ça y est, l'interface numérique est en lieu sûr. Désolé, mais le micro m'a lâché, c'est un petit problème technique. Négatif, tu étais préoccupé, tu as oublié de le brancher. C'est la règle numéro 6 et tu ne l'as pas appliquée. Allez, tirons-nous d'ici. Allez, de missiles ennemis. Passage à la puissance maximale. Hydro-réacteur activé.
Excellent travail, messieurs. Félicitations. Aucun incident ? Rien à signaler, à part quelques petits problèmes insignifiants, tels que tirs de mitrailleuse, nageur de combat, hein, ou de lance-roquettes, la routine, quoi. J'attends un rapport complet, messieurs. Edouard ? Bon, laisse-le. Je suis désolé, commandant, il semble que nous ayons quelques petites interférences. Essaie de rétablir l'image de Takri. Que se passe-t-il ? J'attends votre rapport. Simple ennui technique, monsieur, nous allons régler ça. Répondez, messieurs, c'est un ordre. Oh, raté. Edouard ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pardonnez-moi, Spence, j'ai vraiment essayé, j'ai fait tout mon possible. Mais de quoi est-ce qu'il parle ? Edouard, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe ? Jessica et Lord Trubshaw ont disparu. Je les cherche depuis des heures, je suis très inquiet. Allez, fonce, y a pas une minute à perdre, cap sur l'Angleterre. Spence, pas de panique, ils ont dû se perdre dans la foule, c'est rien. Et puis de toute façon, on doit rapporter l'interface au commandant. J'ai cherché partout, je suis certain qu'il se passe quelque chose. Il faut aussi que je vous dise qu'un inconnu a essayé de s'emparer de ma valise. En route pour l'Angleterre. Edouard, si vous avez des amis influents dans ce pays, il serait temps de leur passer un coup de fil. Restez en communication, Edouard, et ne bougez pas. On sera là très bientôt. Bien reçu. Hey, Spence, je suis désolé, pardonnez-moi. À vous, terminé. Compte à rebours pour puissance maximale. Prépare-toi. 3, 2, 1... Qu'oncle Edouard n'ait pas été invité. Il adore le château. Mais il n'est pas de la lignée des Pertaigne. Et ta grand-tante Flavia est on ne peut plus pointilleuse en ce qui concerne son château. Elle ne supporte pas les étrangers en dehors des visites. Ah, regarde. Figure-toi que cette armure a appartenu à un de mes grands-oncles. Lord Dwylan Pertaigne. Il la mettait pour combattre. Wow. Où est-ce qu'il va ? Jessica, non, attends ! Jessica, reviens tout de suite ! Jessica ! C'est quoi ? C'est un cachot ? En quelque sorte, c'est ça, oui. On ne s'en sert plus, mais on le fait visiter aux touristes de passage. Allez, maintenant, ma chérie, il est temps de monter voir le jardin. Ta grand-tante doit nous y attendre, et elle est très à cheval sur la ponctualité. Elle aime la ponctualité, elle est pointilleuse. Elle doit pas avoir beaucoup d'amis. Elle nous a, nous. Pourquoi vous avez des chaises avec des piquants ? Je n'en sais rien, ma chérie. Bonjour. Venez, approchez. Approchez, mon enfant. Un peu plus près que je vous vois. Est-ce que je suis mal habillée ? Ce n'est pas laid, mais c'est étrange. Faites demi-tour. Elle ressemble beaucoup à sa mère. Qu'avez-vous dans la main ? Non, 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 mais qu'est-ce que vous faites ? Ça suffit maintenant, arrêtez. Ça fait pas mal. C'est une dent de requin, une vraie. Je l'ai apportée pour vous. Sans façon, merci. Non, madame, vous vous devez dire et combien as-tu payé ce cadeau ? Alors moi, je réponds, je l'ai payé très cher. 3 gouttes de pluie et 1 tenue de soirée de chouette. Les chouettes ne portent pas de tenue de soirée, mon enfant. Qui vous a raconté des sottises pareilles ? C'était pour de rire. Oh, j'ignorais, pardonnez-moi. Écoutez, vous avez la permission de vous asseoir près de moi, mon enfant. Alors, vous dites que c'est une dent de requin ? Oui, madame. Mon père l'a prise dans la bouche d'un requin vivant. Un requin qui voulait le dévorer. Non. Ton beau-père, c'est ça que tu voulais dire ? Ah oui, sans doute. Vous avez raison. Brydon, pourquoi n'irais-tu pas faire un tour ? Nous aurions ainsi l'occasion de discuter tous les deux et faire plus ample connaissance. Très bien, je vais vous laisser. Je suis certain que vous l'apprécierez. Thunder ? Thunder, vous m'entendez ? Spencer ? Est-ce que vous me recevez ? Répondez, Spencer.
Allô, ici Edouard, je vous appelle de la côte de Cornouailles. À quelle heure allez-vous arriver? Répondez. Alors, comme ça, on prétend que la petite a été faite prisonnière? Oh. Je vous serais extrêmement reconnaissant de ne jamais me refaire une peur pareille. Vous aviez demandé d'être discret. Spencer, je suis vraiment désolé. Laissez tomber, c'est pas le moment. Vous croyez que Jess est dans le château? J'en mettrai ma main au feu. Alors qu'est-ce qu'on attend pour intervenir? Ça n'est pas aussi facile que ça. Trubshaw n'est pas seul. Il a engagé des molosses pour surveiller l'entrée du château. Si vous ne craignez pas d'être barbouillé de suie, je crois que je connais le moyen de vous faire pénétrer à l'intérieur. Bingo, on y va. Bonjour tout le monde. Chut, tais-toi. Elle a besoin de calme pour se concentrer sur son travail. Tu sais qu'elle fait des merveilles, cette petite fille. Les descendants directs des Purtain ont toujours eu des mains délicates. Vous êtes donc prête à accepter le fait que cet enfant est bien ma fille? Il n'y a plus aucun doute, cet enfant fait partie de la famille. Oh, je suis désolée, je n'avais pas l'intention de rester si longtemps, mais c'est très amusant. Oh, ne dites pas de sottises. Vous avez le droit de vous détendre. C'est normal, après la nuit que nous avons passée à papoter toutes les deux. Il faut dire que nous avions tellement de secrets à nous confier. Vous me faites des cachotteries? Ce n'est pas gentil. Ne plaisante pas avec ça, Brydon. Jessica devra elle-même attendre d'avoir une fille pour les transmettre. Oh, mais c'est ravissant, chérie. Tout à fait ravissant. Ne taillez pas trop près du cœur. Edouard, vous auriez pu choisir un endroit plus accueillant. Je me souviens qu'une fois, une fille m'avait enfermé dans un truc pareil. Oh, oh, ça fait mal. Vous aussi? Quelle discrétion. Tu es plus gros que le Père Noël. On va chercher... J'espère que je n'ai pas raté la vie. Quitte ! Bien joué ! Un peu brutal, mais efficace. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue chez moi. Où est Jess ? Ma fille est en parfaite sécurité, je vous remercie. Et si elle veut bien partager ses secrets avec moi, vous le serez aussi. Jessica, est-ce que tu as vu tante Flavia? Oui, elle prend un bain. Ah. Bien, je vais avoir besoin de toi, ma chérie. Tu as sans doute remarqué qu'il arrivait parfois... Tante Flavia, de... Comment dire? Disons de perdre les pédales. Et elle n'a pas toute sa tête. Oh non? Si, si, je t'assure. Et elle n'est plus tout à fait capable de s'occuper des affaires de famille. Elle a besoin de moi. Et c'est pour cette raison que tu dois me répéter tout ce qu'elle t'a dit au sujet de ton héritage. Est-ce que tu comprends? Mais tante Flavia m'a fait promettre de rien dire. Mais chez les Purtain, le père a le pouvoir d'annuler toutes les promesses que sa petite fille a faites. Donc en vertu de ce pouvoir, tu es libérée de ta promesse. Mon père m'a dit que les promesses étaient pour toujours. Et qu'il faut aussi tenir sa parole. Mais je ne peux rien dire, je suis désolée. Je te rappelle que je suis ton père, jeune fille. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui décide ce qui est bon pour toi et pour la famille. Que ce soit la dernière fois que je le répète. De toute façon, ça ne servirait à rien alors. Tante Flavia, je veux retourner chez mon vrai papa. Mais lâchez-moi. Tu vas faire tout ce que je te demande. Et si tu n'es pas gentil, je serai obligé de faire du mal à ton vrai papa, comme tu le dis si bien. Bande de monstres.
monstre, vous lui tirerez pas un mot. Tiens bon, Spence. Courage, camarade. Oh, papa. Si vous lui faites du mal, je vous tuerai. Pour la claque. Papa! Mon Baker! Oui? Quoi? Rien, c'est pas grave. Jess! Lancer! Et bonjour à vos amis! Oh, mais ça ne va pas du tout, ça! Ah! Il y a deux choses que je n'aime pas dans ce pays. La première, c'est le pudding au pruneau. Et la deuxième, c'est vous, monsieur. Vous permettez? Oui, Spence? Laissez-le-moi. Oh, après vous. Tu vas le regretter, Spence. Spencer! Voyons, non. Lord Trump Show a le titre de comte, ne vous en déplaise. Et à ce titre, il a droit à certains égards. Comme vous semblez ignorer la tradition anglaise, je me propose de vous en montrer un exemple. C'était bien envoyé. Joli coup, Edouard. Ah. Je sais que c'était hier, mais c'est pour toi. Bonne fête. Merci. Ah. J'espère que ça te plaît. C'est la moitié d'un pénis, c'est pour te dire que l'héritage, c'est rien. Ce qui compte vraiment, c'est que je t'aime beaucoup. Je l'ai trouvé en Angleterre. Non, je t'adore, ma chérie. Je viens de téléphoner aux agents de Scotland Yard. Les résultats de l'enquête sont maintenant officiels. Lord Trump Show avait mis au point une supercherie pour mystifier sa tante Flavia. Il espérait toucher son héritage en lui faisant croire qu'il avait une fille. Il me semble qu'il n'y avait pas qu'une seule dupe dans l'affaire, n'est-ce pas, Edouard? Oui, bon... c'est assez compliqué. Voilà, Lord Trump Show avait rencontré ta mère et ton véritable papa quand il était jeune. C'est faux. Non, crois-moi, ma chérie, cette fois, c'est la vérité. Ton père était pilote dans l'armée britannique et c'est là-bas qu'il a connu Lord Trump Show. Mais ton père, lui, a disparu en mission il y a quelques années. Non, vous dites n'importe quoi. C'est Spencer, mon vrai papa. Comme ça, la petite Jessica n'a aucune chance de devenir la prochaine Lady Purtain? Je crains bien que non. En tout cas, elle connaît un secret en ce qui concerne l'héritage de la famille et je vais la chatouiller sous les bras pour qu'elle nous le dise. Arrête! Tiens, tiens, on a peur des grosses chatouilles. Lady Flavia m'a fait promettre de ne jamais rien dire. Je ne dirai rien. Mais n'aie pas peur. Moi, je ne le répéterai à personne. Désolé, messieurs, mais le père jouit de certains privilèges que les oncles n'ont pas. Toi, non plus, je te dirai rien. Ça. Quoi? Je n'ai le droit d'en parler qu'à ma fille. Allez, viens, Jess. On va faire un petit... Est-ce que ça vous dirait un bon jus de pamplemousse? Oui, très volontiers. Je sais que tu ne voulais rien dire devant Brubaker et Edouard, mais maintenant que nous sommes seuls, tu peux tout me dire à moi. Mais j'ai promis de tenir ma langue, et tu m'as souvent répété que les promesses, c'était pour toujours. Bon, allez, encore une fois,
les D'accord, combien dois-je te payer pour savoir? Voyons voir, 3 gouttes de pluie et une tenue de soirée de chouette. Les chouettes ne portent pas de tenue de soirée. Mais si, quand elles jouent du trombone. Les chouettes ne jouent pas de trombone. Si, des fois, quand il y a un spectacle dans la rue. Je suis désolé, il n'y a pas de spectacle aujourd'hui. Eh ben, je vais en inventer un, juste pour toi.